C'est en effet une première victoire pour les enfants et pour les familles. Nous nous en réjouissons. Mais pour le moment, ce sont plutôt des reports, d'une part. Donc nous sommes toujours extrêmement vigilants et mobilisés sur cette question d'un projet qui concerne les familles et puis projet de PMA, de GPA. Et puis par ailleurs, il y a d'autres sujets fondamentaux sur lesquels nous n'avons pas de réponse, qui sont la BCD de l'égalité et qui sont le congé parental. Si c'est nécessaire, oui, nous redescendrons dans la rue. Les sujets dont nous parlons sont des sujets très importants pour nous tous, citoyens français. Nous appelons tous les candidats aux municipales à signer notre charte pour faire savoir à leurs électeurs s'ils rejoignent nos convictions, s'ils rejoignent notre engagement et s'ils sont prêts à aller sur ce chemin-là de la défense des droits de l'enfant et de la défense des familles.